Madrid en direction du sud. C'est un coupé bleu argent décapotable, un modèle américain introuvable en Europe qui, d'après Guillermo, peut rouler jusqu'à 120 km/h. Il est bien placé pour le savoir puisque le chauffeur, c'est lui.
mais en réalité, il ne l'a jamais vérifié. En 1947, aucune route d'Espagne ne permet d'atteindre une telle vitesse. Il est un peu plus de 10 heures du soir. Dans la voiture, les quatre hommes sont silencieux. Le plus souvent, ils voyagent de nuit car, une fois leur contrat rempli dans une ville, ils sont attendus, dès le lendemain, à des centaines de kilomètres. Et aussi à cause de la chaleur. C'est en effet entre avril et octobre qu'ils sillonnent la péninsule un nombre incalculable de fois, de long en large, pendant les mois de suffocation. Le 27 août 1947 ne fait pas exception. Au cœur de l'après-midi, le thermomètre a dépassé les 40 degrés dans la capitale. Madrid, 3 mois d'hiver, 9 mois d'enfer, prévient le dicton populaire. Il n'était pas question de partir avant la nuit. Linares se trouve à 325 kilomètres. Ils ont prévu de s'arrêter dîner sur la route et d'arriver avant l'aube. La Buick file dans le noir complet, passe au milieu de champs calcinés, traverse de petits villages endormis, vrombit devant les maisons silencieuses, soulevant des nuages de poussière. Ceux qui, du pas de leur porte, affalés sur des chaises pliantes, à bavarder à la fraîche, l'aperçoivent, comme les dormeurs alertés du fond de leur lit par le rugissement du moteur, savent à qui elle appartient, le nom de ses occupants et où ils vont. Ce n'est pas difficile, il y a peu d'automobiles. Et seules 2 catégories d'individus ont le privilège d'en posséder, les politiciens et les toreros. Alors, ce bolide américain qui l'a fait venir directement des États-Unis, dont on prétend qu'il lui faut un pétrole importé de là-bas, nul n'ignore que c'est celui de Manuel Rodriguez Sanchez Manolete, le torero de Cordoue. Et qu'il se rend à Linares, dans la province de Jaén, où il doit affronter le lendemain des taureaux de Miura. Les gens se signent, si rares sont les voitures. D'ailleurs, on se signe toujours au passage de Manolete. Tant d'histoires courent sur son compte, l'argent surtout. On raconte qu'il empocherait par corrida des sommes impensables et scandaleuses quand la majorité de ses concitoyens meurt de faim. Combattrait des bêtes en dessous du poids réglementaire dont il ferait assurément limer les cornes, refuserait d'affronter les élevages réputés dangereux et ferait exclure certains de ses confrères, ceux qui risquent de lui faire de l'ombre, des affiches où il figure. Tout cela pour quelques passes, toujours les mêmes et ses airs de possédé. Un homme étrange, inquiétant, anémique et dépressif, drogué, murmure-t-on. Un monstre, comme l'a surnommé un journaliste. On raconte également qu'il s'entraînerait à la mise à mort sur des opposants républicains prisonniers des geôles de Franco. Mais le comble, ce qui choque le plus le pays tout entier, c'est sa liaison avec ces putains de Lupesino. On dit aussi qu'il torait au plus près des taureaux, comme personne ne l'a osé avant lui, que sous l'habit de lumière qu'il porte depuis 10 ans, son corps est couturé de partout. Il a encaissé 18 coups de corne graves. Cuisses, haines, ventre, clavicule, mains, épaules, plus diverses blessures aux genoux, commotions cérébrales, fractures, qui l'ont immobilisé parfois pendant plusieurs semaines. Et cette cicatrice qui lui mangea jamais la joue gauche comme un rictus que lui renvoie chaque jour son miroir. Pourtant, au cœur de l'après-midi, quand il pose le pied sur le sable des arènes, le miracle s'accomplit presque toujours. Rien que le voir marcher lors du passeio, dans sa lenteur majestueuse, le visage grave et impassible, immense silhouette enveloppée dans sa cape brodée, tient du prodige, du sacré. Manolete domine ses adversaires et hypnotise les spectateurs pétrifiés, et ça dure depuis des années. Avec son grand corps maigre et sa triste mine, des années qu'il est le meilleur, le numéro 1 de Madrid à Mexico,
où en 1946, il a provoqué des émeutes. Chaque jour, pourtant, le public réclame davantage. Pour se payer un billet, les gens se sont saignés à blanc. Parfois, ils ont parcouru des kilomètres à pied, en charrette ou à dos de mulet pour le voir. Donc, ils en veulent, et pas qu'un peu, pour leur argent. Il faut les comprendre. 3 années de tuerie fratricide et maintenant les restrictions, les tickets de rationnement. Manolete le sait, lui qui mange au restaurant tous les soirs et se paye presque autant de voitures de course que de costumes taillés sur mesure. Alors, quand le taureau passe contre son corps, il lève les yeux en direction des gradins, se rapproche encore et encore et termine souvent à l'infirmerie. Je sais ce qu'ils veulent et un après-midi je vais le leur donner, a-t-il déclaré récemment. Manolete est fatigué. Dans les arènes, désormais, une partie du public vient pour les insulter, lui et Lupe. Il ne comprend pas ce torrent de haine qui déferle sur lui. Si encore il faisait mal son travail, mais ce n'est pas le cas. Il ne triche jamais, au péril de sa vie. Et tandis que la foule hurlante l'injurie, Manolete compte tristement les jours et les taureaux qui lui restent à combattre avant la fin de la saison. Dans la buique, le matador est assis à la droite de Guillermo. À l'arrière ont pris place son apoderado, Pepe Camara, et le journaliste Antonio Bayon. Au fond du coffre, cape, épée et le costume rose et or que le torero a choisi de porter le lendemain à Linares. Il y aura foule dans les arènes de la petite ville andalouse. C'est complet. Les 10 000 billets se sont vendus comme des petits pains et les guichets sont fermés depuis des semaines. Manolete n'a pas toréé sur ses terres du Sud depuis 3 ans. Et à une exception près, il n'a pas combattu en Espagne l'année dernière puisqu'il était en Amérique. Alors, quand ils ont appris qu'il serait à l'affiche de la première corrida des fêtes de San Agustín de Linares le 28 août, bon nombre de cordouans se sont précipités pour acheter des places. Il ne manquerait cela pour rien au monde. Manolete est fini, dit-on, et ce ne serait pas étonnant qu'il se retire à la fin de la saison. En plus, demain, à Linares, c'est Luis Miguel Dominguín qui lui dispute l'affiche. Nouveau venu dans la tauromachie, Luis Miguel, 20 ans, n'a qu'un but, et il l'a exprimé clairement, détrôner Manolete. Très tiré, pupille brillante, Manolete est là, irritable. 1947 est une année de nombreuses blessures physiques et morales. Dans certaines arènes, ses détracteurs distribuent des sifflets aux spectateurs pour qu'ils le conspuent bruyamment. On lui jette des coussins à la figure, on l'outrage au moment où il est le plus vulnérable, ventre nu au-dessus des cornes du taureau, à la mise à mort. Non contente de le juger sur le sable, l'Espagne estime avoir aussi un droit de regard sur sa vie privée. Au cours de ces après-midi de désastre, Manolete ne compte plus les offenses faites à la femme qu'il aime, qui l'atteignent en plein cœur et font rire l'assistance. « Ils ne seront pas satisfaits tant qu'ils ne l'auront pas vu mort », a déclaré Lupesino à un magazine. Pour cela aussi, on l'a critiqué, elle et lui à travers elle. Une demi-heure après avoir quitté Madrid, les 4 hommes font halte à l'hôtel national de Manzanares pour dîner. Ils repartent un peu avant minuit. Manolete n'a presque pas mangé. Son estomac le brûle. Il n'a pas sommeil et demande à prendre le volant. Il a toujours adoré conduire, bien qu'il n'en ait pas souvent l'occasion, le trajet en voiture étant le seul moment où il peut se reposer entre 2 corridas. Cette fois, Guillermo s'installe à l'arrière, à côté de Camara. Très vite, engourdi par le repas et les secousses du voyage, ils s'endorment l'un et l'autre. Manolete conduit vite, fumant presque sans discontinuer. Peut-être songe-t-il à ses débuts, à la première fois qu'il a toréé à Linares, 14 ans auparavant, au sein d'une troupe comique, quand il n'était encore qu'un garçon miséreux, cherchant par tous les moyens à percer. 6 ans plus tard, il était matador de taureaux. Depuis,
il a participé à 508 corridas, est devenu le torero ayant inspiré le plus grand nombre de livres, d'études, de chansons, de peintures, de poèmes, de statues, d'articles. Le disque du Paso Doble, qui porte son nom, en est déjà à sa deuxième édition. 10 000 exemplaires de partitions se sont vendus. On le joue même en Allemagne et en Italie. Ils franchissent bientôt le défilé de Despeñaperros, frontière naturelle au cœur de la montagne entre les provinces de Castille et d'Andalousie. C'est le silence. Dans un peu plus d'une heure, ils seront arrivés à destination. Il est 3h du matin, le 28 août 1947, quand la Buick de Manolete stoppe devant l'hôtel Cervantes de Linares. Au même moment, non loin, six taureaux de Don Eduardo Miura tournaillent méchamment dans un enclos. Aucun d'eux n'était prévu pour cette corrida. Manolete se retire aussitôt dans la petite chambre préparée à son attention, au rez-de-chaussée, toujours la même, la 42, fraîche, meublée d'un lit étroit, d'une armoire, de deux chaises et d'une sorte de secrétaire en bois. Toilette et lavabo se trouvent au bout du couloir, à côté de la chambre de Luis Miguel. Jusqu'à l'année dernière, Camara a toujours dormi dans la même pièce que Manolete. Habitude établie entre eux depuis le premier jour sans discussion, mais depuis sa longue tournée en Amérique, depuis surtout que sa liaison mouvementée avec Lupesino occupe davantage la une des journaux que ses triomphes taurins, Manolete ne partage plus ses chambres d'hôtel avec Don José. Le torero aime traîner au lit le matin. Ce jour-là, il s'éveille vers 11h. Guillermo, qui dort dans une pension voisine avec les autres membres de la quadrilla, succède à Camara et commande le petit déjeuner de son maestro, composé essentiellement de fruits. Rare moment de calme. Bientôt, la ronde commencera. La petite chambre s'emplira de visiteurs de toutes sortes, de fumées de cigarettes, d'éclats de voix sonores. Bientôt, les heures, encore un peu plus de 6 avant le début du combat, se consumeront dans un rythme irrégulier, tantôt frénétique, tantôt effroyablement lent et angoissant. C'est une belle journée, pas un nuage, un soleil intense. À l'extérieur, la fièvre monte doucement. Il est encore tôt, mais il y a du passage, des gamins excités, des curieux qui traînent autour de l'hôtel. Le torero n'est pas venu à Linares depuis 2 ans. Cette corrida sera pour lui la 18e de l'année en Espagne, 18 sur 48 prévues. En 1944, à la même époque, il avait déjà dépassé la cinquantaine d'engagements. Mais cette année, il est seulement rentré du Mexique en février. Après un temps de repos qu'on lui a copieusement reproché, il a attendu le mois de juin pour combattre à nouveau dans les arènes de la péninsule, manquant ainsi les deux férias importantes du printemps, Séville et Madrid, ainsi que celle de Cordoue où son absence s'est fait une fois de plus cruellement sentir. Bientôt, Guillermo congédie tout le monde. C'est l'heure de la sieste. Il referme les persiennes et laisse le matador à sa dernière solitude, tandis qu'il retourne préparer l'habit de lumière à la pension. L'épée est prête, rangée dans son fourreau. Le temps s'arrête une ultime fois. Trêve générale dans toute la ville. Le soleil cogne de plus en plus. Seule la poussière rase les murs. Les chiens aboient. Dans la chambre 42 de l'hôtel Cervantes de Linares, Manolete sommeille. Il s'éveille vers 3h de l'après-midi. Encore 2h30 d'attente.
Guillermo est là, discret, dans la pénombre. Il a veillé sur lui et lui tend une cigarette, allumée. Dans l'armoire sont suspendus l'élégant pantalon beige et la chemise que le torero compte porter après son combat. Sur la chaise, impeccable, posée dans un ordre immuable, l'habit rose et or du matador, cape d'ornement, pantalon, veste, cravate, ainsi que la vieille chemise pleine de trous qu'il refuse catégoriquement de remplacer depuis des années. Au pied du lit, les petites chaussures. Sur le secrétaire, la montera du tout début, celle du premier jour. Au moment de l'habillage, la chambre s'emplit à nouveau. L'homme est redevenu un personnage public. Manuel Rodriguez disparaît devant Manolete. Guillermo lui tend le téléphone. Après 2 heures de tentatives infructueuses, il a enfin réussi à obtenir la communication avec la Villa Irun à Saint-Sébastien, la maison de vacances que le Cordouan a achetée à sa mère, Doña Angustias. Le matador a beaucoup insisté pour lui parler avant cette corrida. Il sait que Doña Angustias n'aime pas les arènes de catégorie inférieure, où les moyens médicaux sont insuffisants, estime-t-elle, en cas de blessure grave. Comment ça va, mon garçon? Il doit faire très chaud à Linares, n'est-ce pas? Plus que par chez toi, maman. Et toi, comment te sens-tu? Très bien. Fais attention à toi, mon petit, et appelle-moi ce soir. D'accord? Oui, maman. Je t'embrasse très fort. Au revoir. Au revoir, mon fils. À présent, et pendant de longues heures, Doña Angustias exigera des filles et petites filles qui l'entourent un silence respectueux, des activités calmes, pas de rire ni d'effusion. Elle est presque aveugle désormais. De noir vêtue, dans sa chaise habituelle, la vieille dame égrènera sans discontinuer son chapelet et récitera à voix basse des prières jusqu'au moment où on la préviendra que son niño est hors de danger. Ses deux maris étaient toreros et depuis 10 ans, c'est au tour de Manuel, son fils unique. Doña Angustias ne compte plus les heures qu'elle a passées à réciter des rosaires. Elle n'a jamais vu combattre ni ses époux, ni son garçon. Quand mon fils Manuel t'aurait, confiera-t-elle des années plus tard, je t'aurai avec lui, de chez moi, loin des arènes. En tant que femme et mère de matador, sa place est loin des gradins, dans l'attente anxieuse et la dévotion. Il est presque 5 heures de l'après-midi à Linares. Le matador est bientôt prêt. Camaranou, le bas du pantalon sous les genoux, rituel immuable depuis des années. C'est l'heure, dit-il. Sa magnifique cape de défilé au bras, Manolete sort de sa chambre. Don José et Guillermo lui emboîtent le pas. Dans le hall où se sont rassemblés les clients et le personnel de l'établissement afin d'assister au départ des toreros, les membres de sa quadrilla l'attendent, solennel au garde-à-vous. Une cigarette à la main, le matador leur adresse un salut crispé. Sous les applaudissements de la petite foule, massée à l'intérieur et à l'extérieur, il quitte l'hôtel, suivi par ses hommes, en ordre rigoureux d'ancienneté. Il fait beau et chaud. Manolete s'engouffre dans la voiture qui l'attend. Il n'y a pas loin à aller, les arènes sont au coin de la rue, mais le voudrait-il? La multitude l'empêcherait de s'y rendre à pied. Il ne le veut pas. La voiture le protège encore pour une poignée de minutes de la guerre qui le guette au dehors. Mais son pire ennemi, il ne l'ignore pas, c'est lui-même qui doit dépasser chaque après-midi l'exploit qu'il a réalisé la veille. Il est presque 5 heures de l'après-midi. Manuel Rodriguez Sanchez Manolete s'avance vers les arènes de Linares, dont le prix des places à l'ombre est de 95 pesetas.
Tout le secret, a-t-il confié un jour, tient dans le consentement. Il vient d'avoir 30 ans. Hiver 43-44, Manolete s'accorde du bon temps à Madrid où il s'est acheté un appartement. En dehors de la tauromachie, il doit à ses origines andalouses une seconde passion, le flamenco. D'ailleurs, au bout de quelques verres, il ne faut pas le supplier beaucoup pour qu'il pousse la chansonnette ou esquisse quelques pas de danse, car Manolete rit aussi parfois. Dans les bars de la capitale, il retrouve son ami gitan et parrain d'alternative, Gitanillo de Triana, qui lui a présenté Manolo Caracol et sa compagne, Lola Flores,
tous deux aussi largement populaires que lui. Leurs frasques amoureuses et leurs excès en tout genre lui volent régulièrement la vedette dans les journaux. Les deux artistes sévillants fument et boivent énormément. Ils consomment aussi beaucoup de cocaïne. Manolete se plaît en leur compagnie et se laisse entraîner à certains plaisirs dangereux. C'est une période heureuse, presque insouciante, qui sent le whisky et le cognac. Loin du sable des arènes, le Cordouan redevient un jeune homme comme les autres, joyeux compagnon et bon vivant. Un soir, dans le bar Chicoté, au lieu de la vie nocturne madrilène, Manolete attend Ritanillo, qui doit le rejoindre en compagnie d'une grande danseuse de flamenco, Pastora Imperio. Il y a un monde fou. Les tables sont pleines de part et d'autre. Perico Chicoté va et vient, servant une clientèle nombreuse et bruyante. Pastora arrive. Auprès d'elle, toute menue, intimidée, se tient une très jolie brune. Ses beaux yeux verts sombres se lèvent vers le Niño qui la dépasse d'au moins une tête. Sa bouche ourlée, rouge sang, esquisse un large sourire. Lupecino, dit Pastora à Manolete. Regarde comme elle est mignonne, elle avait tellement envie de te rencontrer. Alors je lui dis, viens, je vais te présenter Manolete. Matador est face à la faena de sa vie, devant les boucles noires de la jeune femme, sa peau blanche, ses pommettes toutes rondes quand elle sourit, cette incroyable fraîcheur, le torero se trouve complètement désarmé. À peine parvient-il à soutenir son regard franc et joyeux et son parfum entêtant. Propose-t-elle ? Avec plaisir, répond le torero. À la demande générale, Pastora Imperio a commencé à danser. Ritanillo de Triana se met à chanter. L'ambiance est à la fièvre. On crie, on tape des mains avec fougue. Les talons claquent au sol, les volants tourbillonnent. Mais Manolete et Lupecino n'entendent plus rien. Jusque tard dans la nuit, ils continuent à faire connaissance. Aussitôt. Tous deux en sont les premiers surpris, car l'histoire d'amour qui naît entre le matador et la starlette madrilène n'est pas une simple amourette, une liaison d'hiver. Très vite, c'est de la passion qui tourmente, qui blesse, qui assoiff, qui creuse un vide au fond du ventre, triomphe et ne peut demeurer dans l'ombre. Malgré eux, malgré l'entourage de Manuel Rodriguez qui voit d'un très mauvais œil l'ascendant croissant que la petite brune prend sur lui. Lupecino s'appelle en réalité Antonia Bronchalo.
Pendant la guerre, elle a été mariée à un commissaire politique républicain. Ils ont divorcé. Depuis, il y a eu d'autres hommes dans sa vie, même des toreros. Elle est actrice, chanteuse, sort la nuit, aime s'amuser et faire l'amour. Sa carrière n'avance guère. Elle est apparue dans quelques films, toujours les mêmes, toujours dans des rôles secondaires. On ne la prend pas au sérieux, on ne la respecte pas. C'est pourquoi elle dévore la vie avec cet entrain et cette gaieté qui la quitte rarement. C'est pourquoi elle aime la fête et les beaux tailleurs, les bijoux, les jolies choses, les caresses, le plaisir de la chair. Qu'un homme aussi célèbre que Manolete s'intéresse à elle, elle n'arrive pas à y croire, et qu'il soit si bon, si doux. À coup sûr, on va lui dire des horreurs sur elle. Est-ce qu'il l'aimera toujours? Manuel Rodriguez l'en aime davantage encore. C'est la personnalité tout entière d'Antonita qui le bouleverse. Pas une seconde sans qu'il ne pense à elle. Pas une séparation qui ne soit un déchirement. Manolete aspire autant qu'il peut la vie sur les lèvres de Lupecino. En dépit de leur prudence et de leur désir de se protéger, l'histoire d'amour entre Manolete et Lupecino est très vite connue. Incrédule, la presse s'en empare avec avidité. Quelle aubaine, l'ascétique Manolete, amoureux fou d'une actrice de série B à la réputation sulfureuse. L'homme qui ne rit jamais au pied d'une plantureuse nymphette. L'affaire parvient vite jusqu'à Cordoue. Manuel Rodriguez accourt auprès de sa mère et de ses sœurs pour s'expliquer. « Ce n'est pas une femme pour toi, mon fils, Asen Doña Angustias. Pourquoi ? Avec le passé qu'elle a, ne te fais pas beaucoup d'illusions si tu crois être le premier homme dans sa vie. Je le sais, tout cela, je le sais. Mais elle m'aime et depuis que nous sommes ensemble, elle m'a été fidèle. Fidèle ? Comment peux-tu faire confiance à une fille qui... Je veux me marier avec elle. On raconte qu'elle est passée dans le lit de plusieurs matadors et qu'elle a déjà été mariée. Elle me l'a dit elle-même. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Manolo, tu as perdu la tête. Tu ne sais plus ce que tu dis. Le Niño se tient face à Doña Angustias. Ses sœurs ont tourné la tête pour marquer leur désapprobation. La mère et le fils se regardent avec douleur. Pour la deuxième fois de sa vie, il ne capitule pas devant elle. Comme ce jour, enfant, où il lui avait annoncé qu'il voulait être torero. Il y a désormais deux femmes dans la vie de Manolete, deux femmes en tout point opposées, impossibles à concilier, et des taureaux, des multitudes de taureaux devant lui. Plus d'une centaine de contrats attendent le Matador pour cette saison 1944. Afin de ne pas être trop loin de Madrid et de Lupe, Manolete s'entraîne à Salamanque. Derrière lui, la meute des journalistes épie ses moindres déplacements. Depuis que sa liaison avec la petite actrice madrilène est connue, rare est la semaine où il n'en est pas question dans la presse. Il la couvrirait de cadeaux, dépenserait des sommes impensables pour elle. La laisserait acheter des meubles et des objets de décoration à sa guise, avec son argent à lui, évidemment. Il serait devenu complètement fou, sans parler du chagrin qu'il cause à sa mère. Les deux amoureux voudraient bien rester cachés, mais comme il leur est impossible d'être en paix, le torero et l'actrice décident très vite d'afficher leur passion au grand jour. Mieux vaut, pense-t-il, des photographies officielles que des clichés volés, des interviews consenties que des propos et des faits inventés de toutes pièces. Mais Lupecino ne plaît pas aux bonnes gens. C'est une femme de mauvaise vie, au passé trouble, aux origines modestes, à la liberté trop affichée, qui ne peut avoir qu'une influence néfaste sur le matador. Ce qui l'intéresse, c'est la fortune de Manolete. Sa gloire, elle ne l'aime pas. Le milieu taurin partage cet avis. Les femmes et la tauromachie ne font pas bon ménage, répète Camara. Souviens-toi de Joselito. Il racontait toujours que
Le pire ennemi du torero, c'est la femme. Elle tourne la tête et fait flancher les jambes. Et un torero, outre une concentration inébranlable, doit posséder des jambes d'acier. Toujours Joselito, le meilleur torero au monde. Camara ne voudra jamais admettre que Manolete l'a égalé, dépassé depuis longtemps. Cette liaison remet-elle en cause son engagement vis-à-vis du public? Son amour pour Lupecino l'a-t-il fait reculer d'un centimètre face au taureau? N'a-t-il pas le droit d'être amoureux? Cette année-là encore, Manuel Rodriguez est bien décidé à ne pas faillir. Il est partout, unique, incontournable. Cette suprématie indéniable, ajoutée à sa liaison avec Lupecino, augmente le nombre de ses détracteurs. L'argent qu'il gagne suscite toujours les pires réactions. Alors que ses partisans font son éloge, composent des poèmes en son honneur, chantent les louanges de Cordoue, de Donia Angustias et des califes de la tauromachie. Officieuse fiancée du torero, Lupecino n'a droit à rien. Hormis dans une certaine presse, on ignore violemment son existence. Au cours de ces mois sans repos, brinque-ballé à droite et à gauche, Manuel Rodriguez trouve-t-il le temps d'une étreinte à Madrid? Car bien entendu, Antonita n'accompagne pas son amant lors de sa tournée taurine. Peut-être réussit-elle parfois à le rejoindre à son hôtel quand il taurait non loin de la capitale, à la grande désapprobation de Camara et de Guillermo. Ce qui est certain, c'est que dès qu'il en a l'occasion, Manolete impose Lupecino à ses côtés. Quand il combat à Madrid notamment, la belle se présente à l'hôtel Victoria, pose contre lui pour les photographes, ravis. Et elle a le culot de venir aux arènes, spectatrice privilégiée au premier rang, ce qui provoque un certain émoi au sein du public. Ce n'est pas elle tout de même, ce n'est pas la Lupe. Elle n'oserait pas. Elle ose. Là où une épouse bénie par Dieu ne se montrerait pas. Antonia Brancalo paraît dans la splendeur insouciante de sa jeunesse, avec son sourire ravageur et son corps voluptueux, applaudissant à tout rompre son homme. Elle te trompe, Manolo. À peine as-tu le dos tourné, tu es aveuglé. Elle ne t'aime pas. Vous mentez. Laissez-moi tranquille. Manolete repousse les médisances. Dans les bras de Lupe, personne ne peut l'atteindre. Mais le doute s'insinue en lui. Et plus que le doute, un autre poison qui travaille à sa destruction, la jalousie. À présent, dès que le torero est séparé de sa maîtresse, il est consumé par la suspicion. Et si les autres avaient raison? Dès qu'il le peut, Manolete s'échappe à Madrid pour retrouver Antonita et ses amis du flamenco. Lupe a recommencé à sortir. Je ne vais pas passer mes nuits à t'attendre, a-t-elle dit au cordouan. J'ai envie de vivre, si tu préfères être avec ta mère. Ça te regarde. Lupe lui fait des scènes et lui donne son corps, l'entraîne dans un tourbillon étourdissant de baisers et de gifles. Elle aime la fête. C'est à elle, dit-on, que Manolete doit certaines de ses mauvaises habitudes. Cocaïne en particulier, whisky dans la boîte à gants de la voiture. Quand l'hiver touche à sa fin, Manolete ne s'est pas vraiment reposé. Moins de corrida cette année, Don José, s'il vous plaît, a-t-il demandé à Camara. Moins, mais plus dur, car un nouveau concurrent vient d'arriver sur la scène taurine, Luis Miguel Dominguín. En 1945, les déplacements s'enchaînent à nouveau. Dans cette valse effrénée, peu de place pour Lupecino qui s'efface de mars à octobre devant la ronde masculine qui encercle le matador. Elle reste à Madrid. Avec qui? Que fait-elle?
d'octobre, Camara confirme officiellement la rumeur qui courait depuis quelque temps. Manolete quitte l'Espagne. Il part dans différents pays d'Amérique pour une grande tournée de plusieurs mois. Le Niño passe ses dernières heures sur le continent européen à Lisbonne en compagnie de Lupe. Les deux amants se promènent dans les vieilles rues de la capitale portugaise, s'offrent du bon temps, jouissent du bonheur d'être ensemble. Un océan entre eux devrait remédier à cette aberrante idylle, estiment les amis du torero. Tu n'as tout de même pas l'intention d'épouser cette fille ? Lui a demandé Doña Angustias, une main sur le cœur, la dernière fois qu'il lui a rendu visite. « Non !» a fini par lâcher le Niño. Devant l'impossibilité d'obtenir des billets d'avion, Camara se résout à prendre des places sur le transatlantique qui relie Lisbonne à Mexico en passant par la Havane. Le capitaine, grand aficionado et manoletista convaincu, a évincé une partie de son personnel pour faire de la place à la quadrilla du Matador. Le 9 novembre 1945, Manolete embarque pour l'Amérique avec 7 habits de lumière flambant neufs et l'impérieux besoin de prendre le large. Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela. De mars à mai 1946, Manolete, qui se fait administrer des injections de cortisone les jours de combat et absorbe des fortifiants pour tenir le coup, déclenche la même hystérie partout où il passe. Cependant, l'heure du retour en Espagne a sonné. El Monstruo n'a pas particulièrement envie de torer à nouveau dans la péninsule ibérique. Il se plaît en Amérique. Il s'amuse avec ses amis, se balade, un large sombrero sur la tête. Il n'a pas spécialement le mal du pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a le mal de Lupecino. Le Matador arrive par avion à Lisbonne le 1er juin 1946. Il prend ensuite le train jusqu'à Madrid. Les journalistes qui l'attendent à la gare l'assaillent de questions. « Je ne combattrai pas en Espagne cette année », leur annonce-t-il. « Mais que ce soit clair, il ne s'agit pas d'un départ définitif, je me sens encore jeune. » Le Niño court embrasser sa mère à Cordoue, puis il se retire à la campagne chez des amis de Lupe, officiellement pour se remettre de sa saison américaine. En réalité, pour retrouver sa maîtresse avec une ardeur que les mois de séparation ont avivée. Là, les amants que toute l'Espagne condamne connaissent enfin des semaines passionnées et heureuses. Ils font de grandes balades dans la nature, se promènent à dos d'âne, à moitié dévêtus, un chapeau mexicain enfoncé sur le crâne pour se protéger du soleil, jouent à n'importe quoi, de vrais enfants. Le rire de Lupe a remplacé les vivas ou les insultes du public. Manuel Rodriguez rit aussi, il ne pense plus à rien. Un homme ordinaire. A-t-il jamais connu une telle quiétude ? Mais l'année sabbatique que s'accorde Manolete pour se payer du bon temps en compagnie d'une divorcée est très mal perçue. À Cordoue, les aficionados ne lui pardonnent pas d'avoir déserté une fois de plus leur feria. Sur le plan professionnel comme personnel, son attitude est jugée scandaleuse. Avant son nouveau départ pour l'Amérique, le Niño passe quelques jours à Cordoue avec sa mère, dans la villa qu'il lui a achetée, avenue Cervantes.
Ces jours qu'il emploie à la rassurer et à démentir les deux rumeurs principales qui circulent sur son compte, sa retraite et son mariage. Il n'a pas pour l'heure l'intention de quitter la tauromachie et n'a pas épousé en cachette Lupesino. Pourtant, quand le 20 novembre 1946, Manolete arrive à l'aéroport de Madrid en compagnie de l'actrice, les journalistes et les nombreux badauds présents pour lui dire au revoir n'en croient pas leurs yeux. Lupesino arbore un sourire éclatant. Cette fois, elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle part avec lui. Mal à l'aise, pressé d'en finir avec les questions de la presse, le torero ne quitte pas un instant ses lunettes noires. « Non, nous ne sommes pas mariés », répète-t-il avec agacement. Devant la foule médusée, les amants maudits s'envolent pour New York, avant de rejoindre le Pérou, puis le Mexique, où on l'attend avec impatience. Manolete espérait passer quelques jours tranquilles dans la grande ville américaine, mais c'est loin d'être le cas. À l'aéroport de New York, la presse le guette et l'oblige à poser aux côtés de sa maîtresse. À l'hôtel, il échange un autographe avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Dans un restaurant où il vient d'entrer, un client s'écrie épouvanté « The monster, the monster !» Il ne sera donc nulle part en paix. Trois mois plus tard, le 9 février 1947, après 6 prestations à Lima et 17 dans tout le Mexique, Manolete effectue à Mérida sa dernière corrida sur le continent américain. Il a été à la hauteur de sa réputation, a provoqué partout sur son passage des émotions sans précédent. Mais physiquement, il est à bout. Il tient grâce aux médicaments et autres substances dont il se gave. Le médecin qui lui administre régulièrement des piqûres a diagnostiqué qu'il était lipotymique, de constitution lymphatique et asthénique, avec une tension extrêmement faible. Manolete tue des taureaux et fait l'amour. À Lima, il s'est enfermé avec Lupe, 15 jours, dans sa chambre du Country Club, sans jamais en sortir. Mais il va bientôt falloir rentrer. En attendant, Manuel Rodriguez s'offre avec Lupe quelques derniers jours de plage à Acapulco. Allongé sur un transat, en maillot de bain, un petit chapeau sur la tête et les bras gracieusement levés, la jeune femme rayonne de bonheur. À ses côtés, elle monstruo en caleçon, tête baissée, dos courbé, lui baise un pied. Cette photo, avant d'être censurée, fait la une de tous les magazines. L'Espagne est choquée. À Cordoue, Doña Angustias laisse éclater sa colère. Désormais, elle n'a plus qu'une insulte pour désigner la femme que son fils aime. La puta de Madrid. C'est dans ce contexte que Manolete revient en Espagne en mars 1947. On raconte qu'il a empoché plus d'un million de pesetas lors de sa tournée américaine. Il aurait, murmure-t-on, l'intention de s'installer en Amérique. Il laisse dire, il compte se reposer pendant 2 ou 3 mois et reprendre seulement après la route des arènes. À nouveau, c'est la stupeur. Le torero sera donc absent des grandes férias de printemps, Séville, Madrid et, encore une fois, Cordoue. C'est presque de la provocation. Ces quelques semaines,
le Niño les passe déchirés entre sa mère à Cordoue et Lupe à Madrid. Le climat est affreusement tendu et triste. Manuel Rodriguez a signifié à sa mère qu'il souhaitait épouser Antonia Bronchalo, coûte que coûte, que c'était une brave personne, quelqu'un de bien. Elle l'adorerait si elle acceptait de la rencontrer. Il n'en est pas question, a tranché la vieille dame. Et si par malheur tu décides de t'unir à cette créature, sache que je ne viendrai pas à ton mariage. De son côté, Lupe et montre des signes d'impatience. L'entourage de Manuel la traite si mal. Sans parler de sa docilité face à sa mère. Elle en a assez. Quand se décidera-t-il à la prendre pour femme ? Les deux amants se séparent un temps. Manolete se réfugie auprès de sa mère à Cordoue, mais il accourt à Madrid quand Lupe se fait opérer d'une malformation au coude. Soumise à sa mère, obsédée par sa maîtresse, dévorée par cette guerre insoluble qui le déchire jour et nuit, Manolete réapparaît morne et éreintée le 22 juin 1947 dans les arènes de Barcelone. Le 16 juillet, il est gravement blessé à Madrid où il est venu tourer gratuitement. Les 4 et 5 août, il revient dans les arènes de Vitoria, affaibli, encore convalescent, les traits tirés. Le public le siffle, sans raison, n'applaudit que du bout des doigts son travail magistral. À Alicante, où il reçoit 2 oreilles pour une faena exceptionnelle, on donne dans la foulée 2 oreilles, une queue et même une patte à l'autre matador à l'affiche, Parita. Peu de temps après, ce dernier avoue: certes, je n'ai pas été mauvais ce jour-là, mais si on m'a accordé autant de trophées, c'était pour nuire à Manolete. Devant tant d'ingratitude, le cordouan a l'impression de recevoir la pire blessure de sa vie. C'est comme un coup mortel, dit-il avec amertume. Le 8 août, il est à Valdepeñas, le 10 à Saint-Sébastien, le 11 à Huesca, le 15 à Gijón, le 16 de nouveau à Saint-Sébastien, où un groupe de spectateurs est venu spécialement de Bilbao pour l'insulter. Sur la même affiche, Luis Miguel Dominguín compte à l'inverse de plus en plus de partisans. Dans la rue, Manolete perd chaque jour de sa majesté, il a encore maigri. Sur le sable, il semble de plus en plus halluciné, suicidaire, abandonné. Ils ne le laisseront pas arrêter vivant, a déclaré Lupe Sino à un magazine. Après l'affreuse corrida de Saint-Sébastien, Manuel Rodriguez passe quelques heures avec sa mère dans la villégiature qu'il lui a offerte sur la côte basque avant de repartir en direction de Tolède où il tournerait le lendemain. Gijón encore le 24, puis Santander le 26. « Si la mort vient à moi, confie-t-il ce jour-là lors d'une interview, elle ne me prendra pas dans un moment d'affreuse lâcheté, mais avec le geste rageur du combattant. » Manolete repasse par Madrid, mais Antonita n'est pas là. Elle est partie quelques jours sur la côte andalouse, dans la station thermale de Lanjarón, avec des amis. Manolete compte avec impatience le nombre de corridas qui lui restent avant la fin de la saison. Et dans la nuit du 27 au 28 août 1947, au volant de sa Buick bleue, il franchit la Sierra Morena pour rejoindre Linares.
29 août 1947. La pluie s'abat sur l'Andalousie occidentale. Le jour se lève. Le ciel est chargé de lourds nuages. Changement de temps brutal, il a fait si beau la veille. Dans les rues encore ensommeillées de Linares, des femmes en noir surgissent soudain et se mettent à crier. Manolete est mort. Manolete est mort. 10 en boucle, la nouvelle sature bientôt les ondes du pays s'étendant au-delà de ses frontières avec stupéfaction. Le monde entier prend connaissance de la tragédie de Linares. Manuel Rodriguez est mort à 5h07 du matin. En odeur de sainteté, selon tous les témoins présents, il a penché la tête sur la droite et a accueilli la mort avec une résignation courageuse, brave jusqu'au bout. À aucun moment, assure-t-on, il n'a demandé à voir Lupecino. La seule femme présente à ses pensées en ces derniers instants fut sa mère, Doña Angustias. Une messe a aussitôt été célébrée dans la chapelle même de l'hôpital. Pour la première fois, on a vu couler des larmes derrière les lunettes noires de Camara. Lupecino, qui s'était évanoui quand on est venu lui annoncer que tout était fini, se tenait au fond de la petite nef en retrait, chancelante, soutenue par quelques femmes. Après la courte cérémonie, on l'a enfin autorisé à voir son amant. Quelques minutes, le cadavre de son amant, celui qui ne serait jamais son mari. Déjà froid et jaunâtre, les yeux fermés, exposé dans sa mort comme il l'avait été toute sa vie durant, au regard de tous. Manuel Rodriguez repose sur le petit lit de la chambre 18, le corps enveloppé de bandages blancs des pieds à la tête, comme une momie. Quelqu'un a mis une croix entre ses mains. Pour éviter que ne se décroche sa mâchoire, on a également entouré celle-ci d'une large bande de tissu. Lupecino s'avance, en titubant, un gilet sur les épaules. Elle est si frêle qu'on l'installe d'autorité sur une chaise, à la tête du lit. Son beau visage, ravagé par les pleurs, incrédule et révolté, ne quitte pas des yeux la figure à jamais figée de son éternel fiancé. Elle enrage, loupe et elle ne comprend pas que Manuel n'ait pas voulu la voir. Elle n'envisage même pas l'hypothèse monstrueuse que les autres ne lui ont pas dit qu'elle était là, juste à côté, qu'elle avait traversé toute l'Andalousie dans la nuit, pleine de remords et de larmes. Elle voudrait crier, hurler sa détresse et sa fureur contre ce dernier rendez-vous manqué. Tout ce qu'elle n'a pas pu dire à Manolo. Elle voudrait l'embrasser devant tout le monde. Mais elle est incapable de prononcer un mot. Elle ne parvient pas à toucher le corps, le visage de Manuel, sa chair qui devient pierre. C'est au-dessus de ses forces, elle a toujours aimé la chaleur, loupée. Autour d'elle, la meute est là. Son temps de recueillement est compté. Depuis que la mort de Manolete a été annoncée officiellement, la petite chambre ne désemplit pas. Bientôt, on laissera entrer le peuple de Linares qui fait déjà la queue, discipliné, devant l'hôpital, pour rendre un dernier hommage au Niño. Antonia Bronchalo doit vite céder sa place et repartir d'où elle vient. Elle n'est plus rien, n'a rien été, une pas grand-chose. Hors de question qu'elle assiste aux funérailles. Manuel Rodriguez Sanchez Manolete appartient désormais pleinement à l'Espagne tout entière. Sur sa trajectoire héroïque, Lupecino a sans doute été son seul faux pas. Qu'importe, on ne sait déjà plus qui elle est. Au bord de la mort, il ne l'a pas appelée. Il n'y a rien d'autre à ajouter.
Savait-il qu'elle était là? Il est trop tard. Lupecino disparaît définitivement de la légende. À 10h du matin, la dépouille du matador est déposée à l'intérieur d'un cercueil de fortune qu'on entoure d'un drap blanc. Au milieu d'une foule compacte, bénie une dernière fois par un prêtre, le cadavre de Manolete s'apprête à effectuer son dernier voyage. Dans une ambulance roulant au pas, suivie par la buick bleu argent aux crêpes de deuil et par plusieurs autres voitures, le Niño rentre à Cordoue. Une foule nombreuse amassée des deux côtés de la chaussée le regarde partir. Sur la route, les gens accourent des villages les plus reculés, traversent les champs pour bloquer et acclamer le convoi funèbre. Le glas sonne à tous les clochers. À 2h de l'après-midi, le cadavre de Manolete entre dans Cordoue, acclamé avec ferveur par les habitants. Avenue Cervantes, une chapelle ardente est dressée dans un des salons de la villa, tenture noire, grand crucifix. Manuel Rodriguez est installé au milieu des fleurs et des images pieuses sur une cape de Paseillo. Un sculpteur dessine son masque mortuaire. Les obsèques sont fixées le lendemain à 10h du matin. Doña Angustias arrive à 4h15. Sur les marches du perron, elle s'arrête, ne peut faire un pas de plus. Ne m'obligez pas à entrer dans la maison que mon Manolo chéri avait voulu pour moi. On la soutient. La vieille dame aveugle se jette en sanglotant sur le cadavre de son garçon dont elle cherche le visage à tâtons. Au bout d'un long moment, on doit la dégager doucement et l'asseoir dans un coin, sur une chaise. Entourée par ses filles et ses petits-enfants, elle jure à intervalles réguliers, s'évante, prie, supplie, répond par un sillement aux paroles de condoléances qu'on lui adresse, serre avec effusion les mains qu'on lui tend. Le 30 août 1947, dans l'après-midi, le cercueil du matador porté sur les épaules des membres de sa quadrilla quitte la villa de l'avenue Cervantes, devant laquelle des milliers de personnes se sont rassemblées et ont veillé toute la nuit. Il y a du vent, le ciel est couvert. Au moment de la cérémonie religieuse, une minute de silence est observée dans toutes les arènes du monde. Les funérailles sont retransmises en direct. Doña Angustias n'a pas vu l'hommage rendu à son fils, l'instant où l'on a accroché la croix de bienfaisance à son cercueil. Quand les hommes l'ont emmenée, elle s'est évanouie. Le corps du matador rejoint bientôt, au milieu des pins et du silence, sa sépulture, un mausolée grandiose, tout en marbre blanc, où on l'a représenté gisant, les mains jointes, une grande cape de torero sur les jambes. Devant lui, chaque jour, des centaines d'anonymes viennent se recueillir. Thank you.
en 1949, deux ans après la tragédie de Linares, Lupecino revient dans la petite ville. Elle réussit à retrouver la trace de l'infirmier qui, dans la nuit du 28 au 29 août 1947, s'est emparé de la chemise ensanglantée de Manolete et la garde pieusement, jalousement, signée par de nombreux matadors. Antonia Branchalo se présente chez lui et le supplie de lui vendre cette chemise. Elle offre une voiture, n'importe quel prix. Refus catégorique, elle insiste. Au bout de plusieurs heures, elle finit par repartir avec un bout de tissu taché, découpé à la hâte. Elle quitte l'Espagne et s'installe au Mexique pour tenter de relancer sa carrière et de recommencer sa vie à zéro. Elle épouse un avocat, un certain Manuel Rodriguez. Divorcée, sans enfant, Antonita Branchalo revient en 1959 en Espagne. Elle apparaît encore dans quelques films de série B, deuxième, troisième rôle, figurante. Le 13 septembre, un après-midi, Lupecino meurt subitement d'une hémorragie cérébrale dans la baignoire de son appartement madrilène. Au même moment, dans les arènes de Las Ventas, au cours d'une noviada, un taureau vient d'entrer en piste. On raconte qu'il s'appelait Islero, comme celui qui a tué Manolete. Après de longues démarches administratives, Doña Angustias obtient enfin, en 1966, l'autorisation d'être inhumée aux côtés de son fils. C'était son vœu le plus cher, rejoindre un jour son niño dans la mort. Ce souhait se réalise en 1980. Angustias Sanchez, veuve et mère de Torero, a vécu 99 ans. Non loin du caveau de Camara, mort en 1978, mère et fils sont unis pour toujours sous une grande statue blanche. Thank you.
Bonsoir. J'ai juste ajouté quelques petits mots, profiter de ce micro pour parler en mon nom et en celui de Cristobal. Tu veux bien que je parle en ton nom aussi ? Voilà. On voulait vous dire merci. Déjà, merci à tous d'être présents ce soir. Merci à la ville de Nîmes de nous avoir permis de vous présenter ce spectacle hier et ce soir. Je voudrais saluer une régisseur formidable qui nous a accompagnés pendant ces deux soirées au son et à la lumière, Julien Blatière, s'il vous plaît. On a eu une chance incroyable de vous présenter ce spectacle dans ce lieu si magique, si sublime. Ça a été vraiment une grande chance pour nous. Et ce spectacle n'aurait pas été possible sans les personnes qui nous ont fait confiance depuis le début dans cette aventure. Et je voudrais donc remercier chaleureusement et saluer Daniel Saint-Lary et l'association Arte y Toro. Et Jacques-Olivier Libby et Peggy Libby, des avocats du diable. Merveilleuse Peggy, toujours rassurante, toujours généreuse et délicate. Et je vais profiter de ce micro pour dire un grand merci à Cristobal Corbel. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être au cartel avec toi. Voilà. Merci à tous.